nouvelle journée, nouveau vlog. Je suis fatiguée un peu, mais ça va. Je suis actuellement chez ma tante à... Le quartier là s'appelle encore comment là? Mon programme pour cette journée est assez rempli, donc il y aura plusieurs choses à voir. Voici ma petite sœur Alex. Elle a tellement grandi. Avant elle était petite, maintenant elle est grande. Bouillie, beignet, haricots, ma sœur Kira. Bon appétit. Et ma mère est en santé. Elle est dans les choses, les bonnes choses. Elle ne remplit pas son ventre. Maman, qu'est-ce que tu fais? Je fais les légumes. C'est quel légume? C'est le jap. Pas le fort. C'est le jap, mais ça va pas les légumes en Autriche. En fait, ma mère aime bien le champ. L'hobby de ma mère, c'est faire le champ. Même en Autriche, elle a le champ. Oui. Tu peux la montrer, mon champ. Bon appétit, Alex. Allez, prends aussi mon jus. C'est fait, mais ça ne vaut pas la tige de mon légume en Autriche. C'est bio, mais rien là-bas. Alors, je suis à la maison avec Alex. Je suis rentrée avec elle pour prendre soin de ses cheveux. Elle a défait ses cheveux. C'était quand? Hier, elle a défait ses tresses et elle n'arrive pas à gérer ses cheveux. Du coup, j'ai décidé de les démêler pour qu'elle puisse à nouveau faire ce qu'elle veut faire avec sa tête. Tu vas peut-être tresser. Tu vas tresser quoi? Passe-mèche, je te dis. Mais passe-mèche. Ok. Non, les notes. On va démêler ça. Ouais. Un côté noir, un côté marron. Un côté quoi? C'est que je vois. Un côté, attends, j'ai pas compris. Un côté noir, l'autre côté marron. Regarde, les cheveux qui sont noirs sont des cheveux naturels, les repoussent. Mm-hmm. Et ce qui est défrisé est marron. Tu sens quand tu touches même, tu sens ce qui est défrisé est déjà mort, c'est gâté. Mm-hmm. Alors que quand tu touches le bas, si, tu vois que c'est encore bien doux. Malgré le fait que c'est sec, mais c'est doux. Touche pas, mais tu vas avoir des chances. Les cheveux naturels sont doux. Ça, c'est dur. Tu vois la différence? Ici, tes cheveux naturels. Mm-hmm. Tu vois les repousses naturelles. Et ici, là, les cheveux défrisés. Ça n'a pas fait mal, non? Voilà. On a fini. Sa tête. Elle est enfin libérée. Tout neuf. Voilà, comme elle a deux textures sur la tête, j'ai fait des nattes avec du fil au bout parce que avec les pointes défrisées, ça ne tenait pas son fil. Et elle va défaire ses cheveux demain juste pour tresser à nouveau. Tu es satisfaite? Ça n'a pas fait mal, là. Voilà, alors qu'elle pleurait. Ouais. Ça te met vrai. Oui, oui. Oui, c'est bien démêlé. Il faut juste prendre le temps pour le faire. Ce n'est pas... C'est ça. Non, très bien. Non, pas du tout. Ce n'est plus du tout dur. L'eau pour me laver fraîchement puisée. Je vais m'apprêter pour sortir. Je sors tout à l'heure pour aller en restaurant avec une amie qui s'appelle Cynthia, ma cousine Darina et une autre amie, Dahlia. Si vous me suivez depuis quelques temps, vous connaissez sûrement Dahlia, étant donné que j'ai déjà tourné, je crois, 4 vidéos avec elle. Voilà. Elle est aussi au Cameroun actuellement. Et on va un peu passer du temps ensemble. Ah, voici encore une tresse. C'est beaucoup. Tu trouves que c'est beaucoup? Mmh.
une petite séance shooting. Salut mes abonnés, regarde comment elle glow. Nous avons décidé d'aller dans un restaurant africain. Ça s'appelle comment? Maïma. Non, c'est un nom comme ça. Ohaïda, c'est Ohaïda. Ohaïda, c'est à Yaoundé. Dans quel quartier? C'est à Ouada, Maïma. Parle fort. Maïma Ouada. Ça prend environ combien de temps? 15 minutes. Ok, merci. Quand nous avons passé la commande, ils nous ont dit qu'ils auront besoin d'environ 15 à 20 minutes pour apporter les plats. Mais nous sommes déjà utilisés à 17h20. Donc, ça fait déjà plus de 30 minutes. On patiente encore. Et le service n'est pas trop ça. Je vais pas mentir, je vais dire la vérité. Mais je peux quand même comprendre parce que apparemment elle est seule. Il y a une seule personne, non? Elles sont deux. Bon, si elles sont deux, je ne peux pas comprendre. Ça va. Attendons nos repas. Ah, notre commande arrive. Enfin, après combien de temps? Une heure de temps. Mais c'est beau. C'est vraiment royal. Hein. Hey. Merci. Et mon plat. C'est quoi, j'ai faim? Ouais. Ça, c'est vraiment royal. Avec les gambas. Ou bien un gambas. Merci. C'est beau. Hey, c'est beaucoup. Heureusement que je n'ai pas mangé aujourd'hui. J'ai pris le coco. Je sais pas ce que c'est le coco, mais c'est ça. Vous avez pris... Toi, tu as pris le ndomba royal, c'est ça? Le ndomba, en fait, c'est un plat camerounais, un mélange de différents animaux cuits à la vapeur dans des feuilles, si je ne me trompe pas. Et elle aussi, elle a pris du ndomba royal. Bon appétit. Merci. Attaquons. Je ne sais même pas par où commencer. Mais heureusement que je n'ai pas mangé aujourd'hui. Vrai. Heureusement. Cameroun est magnifique. Qui dit le contraire? Non, personne. C'est beau. Le pays est beau. C'est vraiment magnifique. Là, c'est le crabe. Je le goûte la première fois et comme au dernier restaurant, moi je ne sais pas comment manger ça. Ces affaires sont tellement gros, énormes, mais comment manger ça en fait? Je ne sais pas si on suce aussi cette coquille ou bien il faut juste que je me contente de la petite chair qui est là-dedans. Aucune idée. Écrivez dans les commentaires. Tu manges avant petit. Alors que bientôt elle va pas pouvoir continuer. Le vent sera déjà saturé. Nous avons fini de manger. J'ai presque vidé mon plat, mais il y a encore une boule là. C'était vraiment beaucoup. Tu as fini ou bien tu attaques encore? Non, j'ai fini. Et toi aussi tu as fini? Tu n'as même rien mangé d'abord. Qu'est-ce qu'elle m'a laissé ça? Elle a tout mangé. Oh, j'ai quand même mangé. J'ai quand même mangé. La sauce là, il faut boire. Non, elle va boire. C'est vrai que ça depuis le début. Elle va boire sa sauce. C'est bon. Ouais. C'est bon. La sauce là est bonne. Et en gros, qu'est-ce que vous pensez du restaurant? Le service est un peu lent. Ouais, le service est lent. Oui, le service est lent. Je trouve aussi que le service est un peu lent, mais ça va quand même. Nous étions à une heure d'attente. Ce que je trouve qui pourrait être amélioré, c'est la communication de la serveuse. Voilà. Elle est muette. Est-ce que c'est faux? Elle est muette, son regard n'est pas vraiment accueillant. Et Elle est froide. Je peux comprendre un peu parce que bon, nous sommes venus en fin de journée, il y avait beaucoup de clients et sûrement elle est fatiguée. Mais il y a quand même...
certaine base de politesse. Bonjour, bon appétit, ça vous a plu? Exactement. Ça ne doit pas manquer en fait. Et ça a manqué. Mais sinon, côté nourriture, je conseille à 100%. Relation prix et service, moi je vois que c'est top. Hein. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, oui. Moi je vois que ça va. Top. C'est pas cher. C'est... Exactement. C'est faisable. Bon rapport qualité-prix. Yes.